Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Aujourd'hui, dans l'heure et quart à peu près qui suit, nous allons passer de la pharmacologie des opiacés 200. Il y a des opiacés 101, ça c'est plus simple. 200, c'est un petit peu plus compliqué, mais tout à fait accessible à ceux qui en prescrivent. 300, c'est encore un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'on dira un jour à 300 parce que plus on monte dans le niveau, là, plus on devient un peu expert sur la question. Et donc, le discours est un peu plus complexe aussi. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on est quand même à 200. Et de quoi voulons-nous parler? Voulons-nous parler de qu'est-ce qui arrive quand on donne trop de morphine? Ou encore, pourquoi est-ce que l'on s'habitue aux opiacés et qu'ils peuvent perdre de leur efficacité? Ça, ça s'appelle de la tolérance. Voilà le plan de l'après-midi. Nous allons regarder la tolérance et comment il y a un continuum entre tolérance et hyperalgie. Nous allons regarder est-ce que les modèles animaux d'hyperalgie, puis l'hyperalgie chez l'homme, et comment on la diagnostique et comment on la prévient. Alors, je commence par une petite histoire clinique. Voilà un monsieur que j'ai vu il y a à peu près 7 ou 8 ans qui avait un néo du lobe supérieur gauche du poumon. C'est un ex-consommateur de drogues de différentes natures. Donc, c'est un monsieur qui a déjà consommé. Et souvent, les gens qui ont déjà consommé ont déjà l'habitude de prendre des médicaments pour autre chose que pour la douleur. Et donc, ces gens-là peuvent, lorsqu'ils deviennent à avoir du mal, puis qu'on les met sur des opiacés, devenir des surconsommateurs parce qu'ils ne prennent pas l'opiacé seulement pour la douleur, mais aussi pour l'autre chose qui était encore là. Et ce monsieur-là, au moment où je le vois, il a un patch de fentanyl de 150 microgrammes heure, ce qui est l'équivalent de 150 mg de morphine sous-cutanée par jour. Puis il prend des entredoses de dilodide. Le dilodide, c'est 5 fois plus puissant que la médecine et que la morphine. Il prend donc 5 fois 6 mg de dilodide, ce qui donne à peu près 75 mg d'équivalent morphine sous-cutanée. Ça lui donne un total de 225 équivalents morphine par jour sous-cutanée, ce qui est la même chose que 450 de morphine par la bouche. Là, on est assez à l'aise avec ces calculs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces calculs, ça fera plaisir de vous envoyer un petit document écrit sur lequel toutes les conversions et tout ça est expliqué de façon claire. Donc, voilà un monsieur qui a un cancer du poumon, qui a de la douleur, qui a une analgésie importante au moment où je le vois, et malgré cette analgésie importante, il se dit qu'il n'est pas bien contrôlé. Il n'est tellement pas bien contrôlé qu'il augmente continuellement ses entredoses. Puis il me dit, écoutez, docteur, vos entredoses, là, c'est comme de l'eau, ça n'a plus d'effet. Un peu plus tard, voilà qu'apparaissent des douleurs dans son membre supérieur. Il a évidemment un cancer du poumon qui vient prendre des nerfs qui vont dans le bas et on voit apparaître des douleurs allodyniques. Allodynique, ça veut dire quoi? Allodynique, ça veut dire qu'on a mal quand c'est pas supposé faire mal. Par exemple, si je me frotte la main comme ça ici, ça me fait pas mal. Mais ce pourrait que lui, on lui frotte la main, oh, ça me fait mal! Donc, c'est quelque chose d'autre que la douleur qui fait mal. Allo, ça veut dire autre. Dini, ça veut dire douleur. Donc, c'est une douleur qui est induite par un contact qui ne devrait pas faire mal. Ça veut dire, on va voir ça à l'heure, que le neurone en haut, là, la moindre affaire qui le stimule, il transforme ça en douleur. Et beaucoup plus tard, quand on lui donne des entredoses, il dit, docteur, vos piqûres, là, 5 minutes après, la douleur augmente de façon fulgurante. Ça, c'est une histoire bizarre. Quand tu donnes un antidouleur, tu ne t'attends pas à ce que ça augmente la douleur. Mais ça peut arriver et on va expliquer pourquoi. D'abord, on a un phénomène de tolérance. Docteur, vos piqûres ne me font plus rien. La tolérance, c'est quoi? C'est une situation d'adaptation dans laquelle, lorsque l'on donne un médicament, eh bien, on a une diminution des effets de ce médicament. Donc, c'est comme si on ne donnait plus rien. C'est comme si on était immunisé. On est devenu tolérant aux médicaments.
Cette tolérance peut être bidimensionnelle. On peut perdre progressivement l'effet sur la douleur du médicament. Docteur, vos piqûres ne me font plus rien. Puis on peut aussi perdre les effets secondaires du médicament. Par exemple, la première journée où je prends de la morphine, quelquefois j'ai du prurite, quelquefois j'ai mal au cœur, et puis avec le temps, cet effet-là disparaît. On est devenu tolérant aux effets secondaires de la morphine. Quand on prend de la morphine, on devient constipé, puis la constipation ne disparaît jamais. Tant qu'il y aura de la morphine, il va y avoir de la constipation. C'est dû au fait que le système nerveux de notre tube digestif est presque pareil au système nerveux de notre tête. C'est comme deux systèmes nerveux qui se parlent, qui ont les mêmes types de neurones et puis qui répondent de la même façon, sauf que dans le tube digestif, l'effet primaire, c'est d'arrêter les contractions parce que les contractions font du mal. Nous avons, quand on a parlé d'un cours 101, on a dit quand la main ne faisait pas mal, elle disait au cerveau tic, 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 tic. Mais quand le tube digestif fonctionne, il dit au cerveau du tube digestif, tic, 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 tic. Et là, il y a la présence d'endorphines qui efface cette douleur-là. Donc, on peut devenir tolérant à un médicament, soit sur l'effet primaire, soit sur les effets secondaires. Et cette tolérance existe avec beaucoup de molécules que l'on utilise. Pourquoi on devient tolérant? Il y a deux grandes explications. On va regarder les deux explications. La première explication, c'est que l'on a une perte graduelle de la réponse biologique. Voici mon air qui arrive de ma main. Ma main est ici, puis mon air arrive ici dans ma colonne. Ce nerf-là, quand vous marchez sur ma main, il se trouve à envoyer des petites étoiles rouges de douleur tout le long du nerf. Jusqu'ici. Et il y a d'autant plus d'étoiles rouges qu'il y a plus de douleur. Ces étoiles rouges, ce sont des potentiels d'action. C'est le résultat d'une dépolarisation cellulaire en termes scientifiques. Mais ce n'est pas grave, le résultat des courses, c'est que si tu te mets ici, tu entends « boing-yong-yong, 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 boing-yong-yong ». Et vous voyez que ce nerf-là, il ne parle pas à ce nerf-là. Il n'est pas connecté ici, il y a un vide. Ça, c'est l'espace synaptique. Ça, l'autre bout de ce nerf-là, c'est mon cerveau. Puis lui, s'il veut qu'il entende que la main fasse mal, il faut qu'il entende le même boing-yong-yong, boing-yong-yong, boing-yong-yong que ce qu'il y avait dans le nerf ici. Or, comme il y a un espace entre ces deux cellules-là, il faut que celle-là parle à celle-là. Et comment est-ce qu'elle parle à celle-là? Elle envoie une pluie de petites billes jaunes qu'on appelle du glutamate qui part de là, qui s'en vient ici. Puis quand la pluie est assez forte, la pluie refait le même rythme de boing-yong-yong dans ce nerf-là de l'autre côté de l'espace synaptique. Il faut pour ça envoyer ces billes jaunes. Et ça veut dire qu'il y a, pour transmettre l'influx nerveux au cerveau, qu'on est conscient de la douleur, qu'il faut avoir une pluie de billes jaunes. Hey, le résultat des courses est intéressant parce que la pluie de billes jaunes peut être modulée. Si j'ai une molécule de morphine qui vient sur un récepteur aux opiacés, qui se trouve là, elle va empêcher la pluie de billes jaunes d'être aussi intense. Alors, si je mets ça comme si c'était un régulateur pour la température de la maison, je tourne la température à 15, et il y a beaucoup, beaucoup moins de billes jaunes. J'ai ici beaucoup moins de sentiments de douleur. Je viens de gagner un effet analgésique. Est-ce que c'est compris? Tout ça est clair. Bien. Je vous représente tout ça autrement. Plus près de la réalité, ça, c'est ce qui arrive du nerf périphérique. Là, j'ai des petites vésicules, des petites billes, pleines de petits points qui étaient jaunes tout à l'heure, ici, ils sont noirs. Puis, cette petite bille-là se coalesce à la membrane et laisse sortir le glutamate. Ce glutamate-là, il vient s'attacher à des récepteurs sur l'autre bord. Puis, quand il est attaché au récepteur, du sodium rentre à l'intérieur et ça fait de nouveau un éclair rouge dans ce deuxième neurone-là. Et c'est cette pluie de glutamate qu'on va moduler avec de la morphine ou des équivalents de la morphine. Si j'en ai aucun, elle va tout full pin. Puis si j'en mets, plus j'en mets, moins ça pleut, moins ça fait mal. C'est un concept imagé, mais qui décrit assez bien la réalité. Vous voyez que ce récepteur-là a comme conséquence
d'augmenter l'AMP cyclique. On va voir si c'est un intermédiaire intracellulaire. Puis vous voyez qu'on a un deuxième ici qui n'est pas concerné par notre histoire parce que lui, l'un comme l'autre, c'est une espèce de canal, mais lui, son canal est bouché par un magnésium. Et tant que le canal est bouché par un magnésium, le sodium ne peut pas rentrer là-dedans et donc il ne se manifeste pas. On en aura besoin tout à l'heure. Le récepteur à la morphine est un récepteur spécial. C'est un récepteur à 7 passages transmembranaires. Ces 7 passages transmembranaires, quand tu les mets collés l'un à l'autre, ça a l'air d'un tuyau. Parce qu'au centre de ça, il y a comme un espace. Ici, sur la partie qui est à l'extérieur de la cellule, on va reconnaître la morphine ou les morphinoïdes. Ça, c'est la morphine. Ça, c'est le petit sulfentanyl. Ça, c'est le dinodil. Il y a différents types d'agonistes qui peuvent venir se coller sur ce récepteur-là. Quand un agoniste se colle sur un récepteur, bien, ça change la configuration du récepteur, puis la partie intracellulaire modifie ses relations avec des protéines à l'intérieur de la cellule. Ici, les protéines sont des protéines G, et tous les récepteurs à 7 passages transmembranaires sont liés à des protéines G, et c'est ce lien-là qui va créer l'effet de l'agoniste sur la cellule. Alors, voilà ma première cellule qui vient de la main. Ça, c'est la deuxième qu'on a vue qui va au cerveau. Ici, j'ai des récepteurs aux opiacés, des récepteurs de type kappa, mu ou delta. Le principal, c'est le mu. Et lorsqu'il y a un opiacé, cet opiacé-là va modifier l'adénylate cyclase et la production d'ATP, d'AMP. Ceci va déterminer à quelle vitesse les petites graines de glutamate tombent et donc à quelle vitesse la transmission se fait de ce neurone-ci vers ce neurone-là. Right? Donc, si je n'ai aucun opiacé, ça va descendre à la vitesse de la douleur qui rentre. Si je mets des opiacés, ça va descendre de moins en moins vite, comme si je ne lisais plus que 10%, 20%, 3%, 1% de la douleur qui est expérimentée sur le nerf primaire. Il faut comprendre que quand un récepteur se colle, quand un agoniste, un opiacé, se colle sur un récepteur, ça crée dans la cellule un deuxième messager. On appelle ça en anglais le second messager. Le first messenger, c'est l'opiacé. Le deuxième messager, c'est l'AMP cyclique à l'intérieur de la cellule. Et lui, il va modifier la vitesse de la pluie, parce que la vitesse de la pluie est d'autant plus grande ou d'autant plus petite que l'AMP cyclique diminue ou augmente. Ces récepteurs-là, dans le cas présent, le voilà le récepteur mu. Ce récepteur mu, si on vient mettre une morphine dessus, voilà la morphine qui est dessus, est occupée, ce récepteur mu est en interaction avec une protéine G. Voilà la protéine G. Dès que le récepteur est là, la protéine G se dissocie et la protéine G s'en va maintenant sur l'adénylate cyclase. Et là, on va faire plus d'AMP cyclique. On parle à l'adénylate cyclase. Puis, ça se défait par déphosphorylation, puis on retrouve le récepteur original. Et donc, ce cycle-là, dans lequel le récepteur interagit avec sa protéine G pendant un certain temps, puis arrête d'interagir, ce cycle-là est le cycle de la réponse cellulaire aux opiacés. Est-ce que je vous ai tout perdu? Pas encore? Très bien. Supposez que je prenne une personne qui a du mal et que je commence à lui donner des opiacés. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer graduellement la pluie. Il y aura de moins en moins de pluie de glutamate et lui, il va avoir de moins en moins mal. Alors, je commence à le traiter, et sa douleur baisse de 20%, il prend 4 entre-doses et il ne prend pas tout à fait assez de morphine pour être contrôlé. J'augmente ma morphine. Là, sa douleur baisse de 80% ou de 90% avec 80% de la dose requise. Il y a une seule entre-dose. Ah, c'est pas mal. On est arrivé à le contrôler. Sa douleur est presque parfaite. Si je continue à en donner, bien là, la douleur devient 100% disparue. Ça, pour nous, c'est très important parce que quand la douleur est 100% disparue, on ne sait pas si on veut ce qui arrive, si on en a 2 de plus, 3 de plus, 10 de plus, parce qu'on n'a plus de mesure. C'est pour ça que ce qu'on cherche, c'est d'avoir 90-95% disparu
pas 100%. En termes de chiffres, on veut une douleur à 1 sur 10, pas une douleur à 0 sur 10. Parce que quand on est à 0 sur 10, on peut continuer de donner des médicaments, ce n'est pas ce qu'on fait de plus. Et à 1 sur 10, on sait qu'on n'a pas encore saturé le système. Mais si j'en donne plus, bien voilà que d'un coup, le malade commence à avoir une attention un peu fluctuante. Quand tu lui parles, hop, il change de sujet. Tu lui fais tester son cerveau pour savoir si le cerveau marche bien. Dites-moi, madame, ça fait combien? 100 moins 7, 93, docteur. 93 moins 7. 93 moins 7. Plus capable. Plus capable, pourquoi? Parce que les neurones commencent à être imprégnés de morphine et ils commencent à être un peu endormis. Puis si je continue, là, il va devenir de plus en plus endormi. Puis on voit apparaître des myoclonies. Cloum, 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 cloum. Le bras se met à faire des sauts. Le cerveau, il a oublié où est la main. Alors, il fait bouger la main pour savoir où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là! Ah, le pied est là! Ça, ça veut dire que les neurones du cerveau sont endormis par la morphine. Et puis, des hallucinations tactiles. Allez, docteur, la nuit, j'ai l'impression que quelqu'un vient me toucher. Il n'y a personne dans la salle. Les hallucinations tactiles, pour moi, sont un signe certain d'un excès d'opiacés. Je ne connais pas d'autre cause que celle-là. Les neurologues me disent qu'ils en connaissent d'autres, mais moi, dans ma vie de clinicien, je n'ai jamais vu d'autre cause qu'un excès de morphine pour expliquer les hallucinations tactiles. Je continue à en donner plus, bien là, le malade commence à être complètement endormi par la morphine. Puis à un moment donné, il est tellement endormi qu'il se met à ronfler de façon sévère. Puis là, progressivement, il respire de moins en moins vite parce que la morphine contrôle le rythme de la respiration. Puis à un moment donné, la respiration devient plus petite que 8 par minute. Et si je ne fais pas quelque chose pour renverser le problème, le malade, il va avoir des problèmes. Oui, on peut tuer des gens avec de la morphine. Bien sûr, ça va en prendre d'autant plus. On a déjà dit qu'on n'est pas plein d'endorphines. Si on est plein d'endorphines, ça n'en prend pas beaucoup. Mais si on n'a pas beaucoup d'endorphines, bien, ça en prend beaucoup de morphine. On peut tuer quelqu'un avec n'importe quoi, là, avec n'importe quel médicament, même avec de l'eau pure. Ça prend plus que 18 litres par 24 heures pour tuer quelqu'un avec de l'eau pure. Un homme de 20 ans qui est en pleine forme. Mais on peut tuer quelqu'un avec de l'eau pure. Alors comment? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on donne suffisamment de médicaments pour que la douleur soit complètement disparue? Qu'est-ce qui arrive? Bien, le cerveau, il commence à se défendre contre la morphine. Et pour se défendre contre la morphine, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va diminuer sa réponse à la morphine. Voilà la petite morphine rouge. Elle vient trouver un récepteur à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transports. Passage transmembranaire, et ce récepteur mu, il est attaché avec une protéine G qui a ses trois sous-unités, alpha, bêta, gamma. Eh bien, si on met une morphine là, ding, ça vient changer ça et ça donne un effet de la morphine. Mais si j'en ai tellement que je viens saturer ce récepteur, bien, ce récepteur, il va commencer, le cerveau va commencer à dire un instant, on va arrêter ça tout de suite là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon récepteur, puis je vais dissocier le récepteur de la protéine G qui conduit le message dans la cellule. J'ai maintenant un récepteur tout seul, qui est dissocié de la protéine G qui est là. Fait que tu peux bien l'occuper, le récepteur, tant que tu veux, il n'y aura pas d'effet. Parce qu'il y a un effet, pour qu'il y ait un effet, il faut que ça binde ici, et puis qu'il y ait un effet sur la protéine G. Si la protéine G n'est plus attachée, tu peux binder tant que tu veux, ça n'a aucun effet. Puis quand ça n'a aucun effet, voilà qu'une protéine qu'on appelle la bêta-arrestine vient se coller sur la petite affaire, sur le récepteur. Et ce récepteur s'internalise dans des vésicules qu'on appelle des endosomes. Puis maintenant, il existe à l'intérieur de la cellule sous forme de réserve de récepteurs. Mais il n'y a plus de récepteurs à la surface. Est-ce que c'est clair, ça? C'est un petit peu là, comme si la cellule était un rocher avec des anémones de mer. Les anémones de mer envoient dans le flot sanguin, envoient leurs grandes tentacules. Puis de temps en temps, il y a une petite morphine qui passe. Tlong! Tlong! Faites tout d'un coup un déluge de morphine qui passe. Tlong, 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 tlong. Les anémones de mer commencent à rentrer leurs bras. Puis au bout de certain temps, il reste juste deux, trois bras à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 bras. Il y a tellement de morphine, là,
ils sont en train de se protéger contre l'excès en allant internaliser les bras, les récepteurs. Voyez-vous ça? Ça, c'est une protection qui dit le cerveau ne veut pas s'intoxiquer à la morphine. S'il ne faisait pas ça, bien, il s'en irait beaucoup plus vite à l'arrêt respiratoire. Là, il se protège contre l'arrêt respiratoire. C'est donc le premier phénomène de tolérance. S'il n'y a plus de récepteur ici, bien, tu peux donner de la morphine que tu veux, il n'y a plus d'effet de la morphine. Right? Ça, vous comprenez bien ça? Et donc, quelque part, s'il n'y avait plus de récepteur, en bout de ligne, là, tu peux donner 1000 mg de morphine et le malade va avoir du mal. Si un malade reçoit des quantités significatives d'opiacés puis il a encore du mal, il y a deux raisons. Ou bien, il n'y a pas assez d'opiacés pour la douleur qu'il a, ou bien, il ne répond pas à cet opiacé-là. Puis s'il ne répond pas à cet opiacé-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer d'opiacé. Pourquoi? Parce qu'il y a des cascades de récepteurs pour la morphine, puis il y a d'autres récepteurs pour le fentanyl, puis d'autres récepteurs pour le dilodine, puis d'autres récepteurs pour l'oxycodone, blablabla, blablabla. Ce sont des familles. Fait que tu as une famille qui s'est habituée à la morphine, mais la famille fentanyl s'est habituée à rien pantoute, elle. Si bien que quand tu vas faire une rotation, tu vas réduire la dose. Tu ne donneras pas la dose équivalente. Tu vas donner 70 % au moins de la dose parce que tu sais que la première est inactive. Donc, que tu en donnes trop de ton récepteur initialement. La tolérance est donc un phénomène de protection. Mais quand est-ce qu'on a besoin de se protéger? On a besoin de se protéger quand on prend trop de médicaments. Si tu n'en prends pas trop, tu n'actives pas le mécanisme de protection. Cette perte d'efficacité, si tu as une exposition prolongée ou excessive aux opiacés. Mais si tu as une quantité juste parfaite d'opiacés, puis tu as une douleur encore à 1 sur 10, il n'y a aucune ou presque pas de perte d'efficacité. Et en fait, on va voir qu'il y a beaucoup plus qu'une perte d'effet. Il y a aussi un autre effet des opiacés. L'opiacé lui-même crée un peu de mal. Si l'opiacé crée du mal, ça nous aide à nous défendre contre l'opiacé. Considérons les effets de la morphine chez des patients normaux. La différence avec le malade, c'est que le normal, il y a plein d'endorphines. Alors, si moi, je commence à prendre de la morphine, que je n'ai pas de douleur, je prends ça parce que je deviens consommateur pour des raisons qu'on appelle récréatives, qui sont en fait un brin de malade. Si je commence à faire ça, je suis immédiatement en surdosage. Je ne peux pas être autrement parce que je n'ai pas besoin d'en prendre. Donc, je n'ai pas été chercher mes endorphines, puis il y en a, je n'ai plus assez pour être capable de contrôler. Ça me prend des exorphines pour contrôler, et là, ça me redonne un équilibre. Je n'ai pas eu ça. Donc, je suis immédiatement en surdosage. Si je suis immédiatement en surdosage, eh bien, immédiatement, je commence à activer de la tolérance. C'est-à-dire que mes récepteurs à la morphine, je les rentre dans la cellule. Ça va protéger mon cerveau. Mais ça ne va pas seulement perdre les récepteurs, ça va aussi produire de la douleur. Pourquoi? Parce que la douleur nous protège contre l'opiacé. J'ai mal ici. Je prends des opiacés jusqu'à ce que ma douleur soit à zéro. J'ai des opiacés, mais je n'ai aucun mal. Je crée de la douleur jusqu'à ce que la douleur équilibre mes opiacés. Je crée de la douleur, c'est normal. Voilà quelqu'un qui prend de la morphine pour des raisons récréatives. Tu lui donnes une antimorphine qu'on appelle de la naloxone. Et voilà que ce malade se met à avoir mal partout. Il appelle ce qu'on appelle un syndrome de retrait. Puis dans le syndrome de retrait, là, tu vois juste la douleur. Avant, cette douleur-là était là, mais elle était effacée par la morphine qu'il prenait. Et donc, il avait trouvé un équilibre. Il avait trouvé juste assez de douleur pour ne pas avoir mal quand il prend ses opiacés. Tu enlèves les opiacés, puis là, il a juste la douleur qui reste. Et là, cette douleur-là fait partie d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de retrait. Le cerveau a donc créé de la douleur pour contrebalancer un excès artificiel d'opiacés.
Et ceci est une personne normale. Si j'ai une personne souffrante à qui je donne 200 fois la dose qu'il a besoin de piacer, faire la même maudite affaire. OK? Donc, on voit que l'opiacé a fait que le cerveau crée de la douleur. Je vois un malade qui vient me voir régulièrement, il prend des opiacés, puis il prend des entredoses, il prend des entredoses de plus en plus, puis là, il prend tellement d'entredoses qu'il prend plus d'opiacés par ses entredoses qu'il en prend par ses doses régulières, puis il me dit qu'il y a toujours de plus en plus mal, puis à un moment donné, les entredoses, c'est comme de l'eau. Puis si ça continue à lui donner de plus en plus de médicaments, elle dit, « Docteur, quand vous me donnez votre piqûre d'entredose, ma douleur augmente de 3 fois, de 4 fois. » Et je lui donne ça pour enlever la douleur. Pourquoi la douleur augmente 3 ou 4 fois? C'est quelque chose qui ne marche pas. C'est parce que l'opiacé est en train de créer de la douleur. Et donc, je suis devant un syndrome d'hyperalgie, d'augmentation de la douleur créée par les opiacés. Ça devient plus difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'est plus dans les opiacés 101, mais dans les opiacés 201. On va essayer de comprendre comment est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça. Mais avant d'aller là, je dois vous dire que lorsque... ce que je dois vous expliquer c'est quoi de l'allodynie. Je veux dire, quand je caresse ma main et que ça fait mal, c'est de l'allodynie. Ça veut dire que le neurone qui reçoit les signaux de ma main est devenu hyper excité. Il est comme un lapin qui entend un bruit. Le moindre petit bruissement, et il envoie un signal au cerveau de douleur. C'est comme s'il devenait extrêmement sensible. La moindre stimulation, puis il décharge comme s'il avait, on venait de lui écraser la main. Donc, c'est un neurone qui est devenu très sensible, et ce neurone devenu très sensible, c'est un signe de quelque chose, que ce neurone-là vient d'être changé. Et c'est ce que l'on va voir fréquemment dans l'allodynie induite par les opiacés. Il y a donc 2 voies pour la tolérance. La première voie, on perd des récepteurs. Les récepteurs sont de moins en moins présents. Puis le couplage avec la protéine G est de moins en moins fort. La morphine a de moins en moins d'effet. Le deuxième effet, c'est voilà que j'ai une suroccupation des récepteurs et une réponse cellulaire qui crée de la douleur. Et cette création de douleur est là pour équilibrer cet excès d'opiacé qui va m'empêcher d'arrêter de respirer. On peut donc penser qu'il y a une espèce de continuum entre la tolérance et l'hyperalgie. Si j'augmente mes opiacés, je commence par créer de la tolérance. J'ai de moins en moins d'effets des opiacés. Puis je m'en vais après commencer à faire de l'hyperalgie. Puis là, je me mets à avoir une douleur qui elle-même est maintenue par la réponse nociceptive, pro-nociceptive croissante aux opiacés. Bien sûr, ça donne une perte globale de l'effet de l'opiacé. Je m'en vais vers un statut, une maladie qu'on appelle l'hyperalgésie induite par les opiacés, en anglais « opioid induced hyperalgesia », ce qui veut dire « hyperalgésie induite par les opiacés ». Right? D'accord. Eh bien, on va voir souvent là-dedans des gens qui ont une allodynie qui, quand on leur donne de la douleur, des opiacés, la douleur augmente, on voit une hyperalgie. Monsieur, quand vous me donnez votre entredose, ça me fait très mal. On s'est longuement parlé des endorphines. Alors, sur les 5-6 diapositives qui suivent, je vais très, très vite parce qu'on les a déjà vues ensemble. Les récepteurs aux opiacés sont des récepteurs qui existent pour nos endorphines. La nature ne les a pas mis là pour la morphine, elle les a mis là pour nos endorphines. Mais avec la morphine, on les utilise pour complémenter quand on n'a pas assez d'endorphines pour enlever la douleur. Ces endorphines-là, on a dit qu'elles étaient importantes dans notre vie, qu'elles avaient plusieurs sortes, qu'elles avaient plusieurs actions. Elles régissent normalement la douleur, la respiration, la réponse au stress, l'appétit, la température, le plaisir, blablabla. Donc, ça fait partie de notre vie courante. Et ces endorphines-là, elles s'attachent aux récepteurs, à leurs récepteurs, c'est-à-dire les récepteurs à la morphine, exactement comme la morphine. Ou plutôt la morphine, exactement comme l'endorphine, puisque le récepteur a été fait pour l'endorphine.
et on peut moduler la réponse à la douleur de beaucoup de façons, soit en agissant sur l'AMP cyclique qui amène le signal, soit en inhibant par des nerfs qui descendent du cerveau pour réduire la production d'AMP cyclique, soit encore par la noradrénaline. Mais là, on rentre, c'est juste pour vous montrer que la situation est complexe et que la réponse à la douleur, on peut la modifier, la moduler par plusieurs types de molécules, pas seulement par les opiacés. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux opiacés. Je vous propose donc que l'action des opiacés n'est pas la même chez les sujets sains et chez les sujets malades. Chez les sujets sains, ils s'ajoutent aux endorphines. On est tout de suite en excès. Le malade s'en va développer progressivement une tolérance. Il n'y a aucune façon qu'il ne le fasse pas. Chez le malade, il remplace les endorphines qui ne sont plus présentes parce que toute la douleur a utilisé les endorphines. C'est qu'avant qu'on ait un excès, ça va prendre pas mal plus d'exorphines, c'est-à-dire de morphine, pour remplacer les endorphines. Un tableau de surdosage, de tolérance ou d'hyperalgie surviendra toujours chez un sujet sain parce qu'on est tout de suite en excès d'opiacés, mais beaucoup moins souvent chez un sujet malade où il faut que la somme endorphine-exorphine soit plus petite que ce qui soit en dessous du seuil, est en dessous du seuil où on voit un excès d'opiacés. C'est comme si les endorphines et les exorphines étaient dans le même entonnoir, sur le même récepteur mu. Fait que si des endorphines n'ont plus ici, bien ces deux exorphines-là, je peux en mettre une troisième, puis je ne serai pas en surdosage. Mais s'il n'a plus du tout d'endorphine, donc s'il n'y a pas d'endorphine, je peux avoir mettre beaucoup plus d'exorphine, plus de morphine. Mais si j'ai plein d'endorphine, bien, j'ai plus de place pour une exorphine, une morphine, pour avoir un excès, un effet sur le récepteur mu. Ça explique très bien pourquoi. Si je suis une personne normale, puis mes endorphines sont normales, la zone bleue, j'ai juste cette petite ligne blanche que je peux prendre sans rentrer dans la zone rouge, où je commence à avoir de la tolérance, où je suis en excès. Si je suis ici, je suis un malade de soins palliatifs, bien lui, il n'y a plus zéro endorphine. Il y a zéro endorphine, un, parce qu'il a du mal, il les a toutes utilisées, puis deux, il n'est plus capable d'en faire, parce qu'il ne mange plus. Il n'y a donc plus les acétaminés qu'il faut pour en faire. Donc lui, je peux lui donner toutes sortes de morphine avant de rentrer dans la zone rouge. Lui est très tolérant à la morphine, lui est très intolérant à la morphine. Et entre les deux, ça, c'est le patient chirurgical. Le patient qui a d'un coup une appendicite, qui arrive à l'hôpital, puis qui vient palper son ventre, ça, il fait très, très mal. Hier, il courait, il était normal. Il y a encore une bonne réserve d'endorphine. Elle n'est pas aussi haute que là, mais ça ne prend pas beaucoup d'opiacés pour entrer dans la zone rouge. Right? Est-ce que c'est clair, ça? Ça, c'est super important, parce que là, si on ne comprend pas ça, là, on ne comprend pas comment ça va. Donc, on est en train de dire ceci. Les patients dont on s'occupe sont beaucoup plus tolérants à la morphine qu'eux autres. Tu vas leur donner de la morphine, tu vas rester dans la zone, en dessous de la zone rouge, tu vas enlever leur douleur, ils vont être confortables, puis ils vont continuer à bien répondre. Mais tu peux aussi, si tu en donnes trop, le rentrer dans la zone rouge. Puis si tu le rentres dans la zone rouge, bien, il va développer une tolérance. Et donc, on ne peut pas prescrire n'importe comment l'opiacé. Il faut toujours s'assurer qu'on est en dessous de la zone rouge. L'apparition d'une hyperalgie va apparaître lorsque tes doses d'opiacé rentrent dans la zone rouge. Quand elles rentrent dans la zone rouge, tu ne t'aperçois pas que l'opiacé fait de la douleur parce que tu donnes l'opiacé qui enlève la douleur en même temps. Il faut que tu arrêtes l'opiacé pour t'en rendre compte que la douleur devient très, très aiguë. On va regarder ça dans un instant. Donc, chez les sujets normaux, chez les humains normaux exposés aux opiacés, c'est très facile de mettre en branle ce mécanisme de désensibilisation à l'opiacé, de tolérance à l'opiacé, puis de douleur produite par l'opiacé lui-même. Et quand ça va vous arriver, si jamais ça vous arrive, vous savez la recette, bien, il faut changer d'opiacé. Si vous ne changez pas d'opiacé, il n'y a rien à faire, ça va continuer comme ça.
Donc, vous devez être très prudent quand vous prescrivez vos opiacés pour ne jamais rentrer dans la zone rouge. Regardons ce qui arrive chez des animaux qui sont normaux. Ben, c'est plus facile de regarder les animaux que les humains. C'est beaucoup plus facile de les étudier, vous allez voir pourquoi. C'est un peu inhumain, mais c'est beaucoup plus facile. Ces animaux sains ont des endorphines normales. On peut leur administrer des opiacés. Et si on leur administre des opiacés, eh bien, cela va créer de la douleur. Et pourquoi ça crée de la douleur? Parce qu'au fond, dans nos cellules, nous avons des récepteurs couplés avec des protéines G, mais il n'y a pas une seule sorte de protéine G, il y en a deux sortes. Il y a des protéines G qui enlèvent la douleur, on les appelle inhibiteurs de la douleur. Puis il y a des protéines G qui fondent la douleur, on les appelle stimulateurs de la douleur. Et ces protéines-là sont couplées au même récepteur à la morphine. Dans la vraie vie, si j'ai plein de récepteurs qui sont couplés avec des réactions inhibitrices, si je donne de la morphine, bien, mon effet maximal général observé va être un effet d'enlever la douleur. Mais si j'en avais plus des récepteurs liés avec des inhibitrices, puis seulement avec des stimulatrices, bien là, donner un opiacé va créer de la douleur. Right? Regardons dans la vraie vie chez l'animal que ça fait. Ça ici, la ligne rouge, là, ça c'est un potentiel d'action. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je prends une petite électrode, je la mets à l'intérieur du neurone du petit rat, puis je lui pince la patte. Puis je vois apparaître d'un coup, tout à l'heure, je l'ai appelé bon yo 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 yo. Ça, c'est la dépolarisation. Cette dépolarisation va au maximum, puis redescend. Puis le nombre de dépolarisations et l'ampleur de la dépolarisation, bien, sera d'autant plus grande et pour plus nombreux qu'il y a plus de douleur. Okay? Donc, s'il y a une toute petite douleur, je vais avoir un petit plip. S'il y a une grosse douleur, je vais avoir la réponse au cerveau va être un peu de douleur, beaucoup de douleur. Okay? Je peux donc dire que l'ampleur de la douleur peut être calculée si je fais mesurer la distance entre les deux lignes rouges ici. Si entre ces deux lignes rouges, ça devient grand comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de douleur. OK? Comprenez-vous ça? Si, au contraire, il y a, entre les rouges, la douleur diminue, il y a moins de douleur. Alors, je mets mon petit électrode, et puis je regarde mon petit rat, puis je commence à lui donner de la morphine. Alors, ça ici, c'est la partie gauche de la ligne rouge de tout à l'heure. La partie moyenne est juste là. Je n'ai pas enregistré le début. Et là, je vois que la dépolarisation se fait comme numéro 1. Je mets de la morphine, mais je mets des quantités microscopiques de morphine, des microgrammes de morphine, des nanomoles de morphine. Nano, c'est très, très petit, beaucoup plus petit que ce qu'on utilise quand on fait de la douleur. Et je vois quoi? Que ça élargit. Donc, ça veut dire que des très petites quantités ont créé de la douleur. Mais si j'en donne des quantités mille fois plus grandes, micromolaires, voilà que j'arrive à 3, cela amincit. Amincir, c'est enlever de la douleur. Élargir, c'est donner de la douleur. Je viens de vous montrer que la même molécule, la molécule de morphine, quand je la donne en très petite microscopique, elle crée de la douleur. Puis quand je la mets à la quantité que j'utilise normalement en clinique, qui est en micromolaire, elle enlève la douleur. Elle est donc capable de faire les deux. Ça me dit que cette morphine-là, elle parle à des protéines G qui donnent de la douleur, il y en a très, très peu, puis il y a des protéines G qui enlèvent la douleur, et il y en a beaucoup. Voilà qu'il y a des protéines G inhibitrices, et 4, puis une stimulatrice. Je commence à donner de la morphine dans la première seconde après que j'ai injecté la morphine. La morphine commence à monter dans le sang. Elle est rendue au niveau nanomolaire. Il y en a encore très, très, très peu. Tong! La stimulatrice la poigne. Elle fait un peu de douleur. Puis là, ça continue à monter, la morphine, parce que je viens d'avoir ma piqûre sous la cutanée. Elle arrive dans le micromolaire, mille fois plus haut. Boing! Toutes les protéines GI viennent enlever la douleur. Et ce que je vois, parce que ça monte vite, c'est l'effet analgésique. Right? Est-ce que ce concept-là vous semble clair? Oui. Très bien. Si je prends un petit rat, je le mets dans une cage, et le fond de la cage est connecté à une plug.
C'est une plaque chauffante. J'appuie sur un bouton, puis le fond de la cage commence à chauffer. Au bout d'un certain temps, le petit rat commence à danser sur place parce qu'il veut avoir les pattes en l'air, il ne veut pas avoir les pattes sur la cage. Je peux regarder à quelle température le petit rat se met à sauter.